Nous sommes là aujourd'hui simplement pour manifester notre cœur meurtri, pour dire au gouvernement trop, c'est trop, on en a assez, on en a marre. Aujourd'hui, l'heure où je parle, on a 103 morts. Nous savons vraiment que ce n'est pas l'armée guinéenne qui est en train de le faire, c'est sûr. C'est les deux hommes de Alpha Condé qui sont sortis pour tuer les populations de la Guinée. Et nous sommes fatigués en tant que mère, donatrice de vie, en tant que femme, meurtrie de paix et de justice. Franchement, nous sommes fatigués. Nous sortons l'ensemble des femmes de la République de Guinée, plus précisément à Conakry, tous celles qui ont épris de paix, de sortir pour nous accompagner, pour dire à ce gouvernement que nous sommes fatigués. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de loi dans ce pays-là. J'informe, je lance un appel à la communauté nationale et internationale que la Guinée est perdue à jamais. Tant que Alpha Condé est au pouvoir avec son gouvernement-là, ils sont là pour détourner les policiers, les gendarmes qui sont là. Ils arrêtent les enfants arbitrairement, moyennant quelque chose au niveau des garnisons. Ils font un commerce dans le cadre d'arrêter des enfants. On demande 1 500 000 selon la personne. Alors nous sommes fatigués, nous ne sommes pas à vendre, on en a marre. Si c'est vrai que l'armée est là, la gendarmerie est là, la police est là pour sécuriser les personnes et leurs biens, pour sécuriser le territoire national, nous sommes là, mais nous voyons tout à fait le contraire. Nous sommes fatigués, on en a marre, nous allons commencer à marcher tout de suite pour montrer la preuve de force, malgré que nous ne sommes pas armés, mais nous allons marcher. S'ils veulent, ils n'ont qu'à venir marcher sur nos cadavres, mais nous allons marcher. La mer, c'est une mer, nous sommes fatigués. Merci. Ils ont tué 101, 102, 103 en vain. Ça peut continuer dans ce pays. Ils ne sont pas dans une chaîne. Ils n'ont pas laissé tranquille. On a marre de cette gouvernement. Voilà. Nikera, démocratie Fadi, il a les bensimi. Il t'a signé la moquelle ma. Il t'a signé la moquelle ma. Il va la gamana à la fara. Mais il y a quoi qu'elle est là. Pour la nuit, son son, il m'a dit qu'il y a un tekele. On va pas en yon, on est quoi mais y a pour eux. Pourquoi y a quoi le coron? On va pas en yon. 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 Mais police, pourquoi tu marches là? Quand tu as marché là? Allez, allons, ici sera encore. Là, il y a fait le grand du matin. Alors, c'est ça? Parce que bien, ils sont dans la pâté. Matin, ils sont dans la pâté. Badi, allez, on a encore qu'à s'aider. Il faut. Les autorités sont restées muettes, elles ne disent absolument rien. Les enfants sont tués. Vous savez, Dieu te donne l'enfant, tu le conçois 9 mois, 10 jours. Tu vas vivre, tu vas mourir, tu ne sais pas. Dieu seul, le Tout-Puissant, peut te t'aider à t'en sortir. Tu fais cela, t'enfant là dans le monde, quelle femme vient ôter cette vie, hein? Ça c'est pitoyable. Un message à la population guinéenne, parce que vous savez, un message en tant que maire, c'est que les autorités acceptent d'accepter de prendre tous les Guinéens au même pied de guerre, qu'ils respectent leur engagement, qu'ils protègent les enfants, tout le monde. Vraiment, c'est ce message-là que j'ai à donner.
Argueta. Faut qu'on ait accès. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un I want for life.
Gina Kale, Gina Manteme, Boba de Dee.